Zami kap koute, yon fwa ankon nou salwe ou nan nou presye Jezu Krist souve nou an. Nou vini pou nou kapap kontinue ansanm ave ou nan yon lot emisyon Randevou Klinik ak Medsine Spirituel. An nou priye. Seigneur notre Dieu, notre bon tendre Père Céleste en Jésus, Père de miséricorde, Papa nou ki nan siel la, nou di ou merci pou grâce, bonté, miséricorde et compassion que ou gagnen et vous envie à nous. Passez visiter nous, Seigneur, en façon spéciale, nous comptons sur vous, nous dépendons de vous, nous besoin. Merci pour tout bagay. Nous remettons la vie nous en main. Ou a fait pour nous, Seigneur, bagay nous pas qu'a fait. Seigneur, levez le nom de Jésus dans mitant nous pour gloire ou capable manifester. Dirigez-nous, nous pourrons l'ouvrir parole au Seigneur. Ou à l'ouvrir que nous, yeux nous, pensez nous, entendement nous, afin que Seigneur nous capable tendre, comprendre parole ou et mettez en application ça ou dit. C'est dans le nom de Jésus, petit toi à nous prier. Amen. Zami Kapkouté, jeudi, nous pourrons lire pour vous dans l'Acte des Apôtres, chapitre 10. Nous pourrons lire quelques portions pour vous dans le chapitre là. Dans le jour qui va venir, nous allons lire les portions que nous n'avons pas lire. Et nous pourrons commencer avec un verset premier. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille, les regards fixés sur lui et saisi des foi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange, qui lui avait parlé, lui partit, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. » Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, « Il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'en est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. » Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait venir. Maintenant donc, nous sommes devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez que ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants
et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Nous sautillons pour eux, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, on a commencé avec verset 1er, ensuite on a continué dans verset 25, juste arrivé dans verset 48. Comme on suit avec nous depuis semaine passée, nous sommes toujours dans affaire repentance, dans affaire baptême, pour qui ça, au besoin passer dans l'étape ça yo pour capable sauver. Eh bien, aujourd'hui, nous avons décidé de venir dans le passage ça pour fonti parler de repentance et de conversion, parce que deux mots ça yo quelquefois qu'on gagne ont mal entendu dans yo même. Là yo parler de repentance, repentance sortie de yon mot général, eh bien qui voulait dit changement de mentalité. Changement de mentalité ou qu'on est mentalité, c'est un bagay en dedans lié, mentalité yon moun c'est en dedans mounan lichita. C'est yon bon mode de pensée, un bon mode de croyance qui formé mentalité moun. Donc là yon moun te gagne yon qualité pensée, yon qualité façon, li te réfléchi, façon li te kwe ki fè se konsa li agi, et puis kounye a, li vin wè yon bagay, li vin tande la parole de Dieu, li commence pran conscience, et puis kounye a li décidé pou fè yon changement nan pensée sa yo, nan mentalité sa ke li gen, pou vin raisonné yon lot façon, et bien yo rele sa wè repentance. Tandis que conversion lui-même, malgré moi, c'est un mot général, n'est pas de bagaille ou changer, c'est convertir ou convertir. Mais dans la fait la Bible, là où parler de conversion, il pas parler de même conversion avec même valeur que le gagne tout pas toi. Dans la Bible, là où parler de conversion, il plus parler de la conversion à Christ. Ça veut dire, c'est pas n'importe changement, c'est pas me dévoler, m'pa voler le encore me changer me te boîte à fiam pas boîte à fiam encore me changer me te fumer même pas fumer encore me changer me te kon goût même pas goûter encore me changer c'est pas ça yo rele la conversion à Christ là c'est un changement lié sous gon bagage ou t'a fait mal kon yo pas fait encore c'est un changement lié nous d'accord avec ça mais nous voulons dire tout que changement ça li pas suffit pour mener on dans la vie éternelle ça veut dire même sous gain tout l'autre petit changement ça li pas suffit pour mener dans la vie éternelle et pour qui ça si m'ka gen tout changement ça yo pour qui ça ça pas ka aider m'gen la vie éternelle parce que d'après texte non là-dedans Actes des Apôtres chapitre 10 mes raisons qui fait non ka dit ça premièrement monsieur parlé de Lila qui donc Corneille c'est un capitaine dans l'armée romaine mais ça yo dit de monsieur ah oui yo dit cet homme était pieux. Yon moun ki pieux, ça veut dire son moun depuis gen l'église l'est toujours allé, quel que soit l'église. Deuxièmement, yo dit c'est un moun qui gen crainte pour bon Dieu et craignait Dieu. Ça veut dire li gen un respect pour bon Dieu qui fait li pap fè n'importe bagay. Soutant le moun do ou comprendre li gen la crainte de Dieu et pour elle fè n'importe gagot li nan l'aria, c'est pas vrai. Moun ki gen la crainte de Dieu, yo tellement respecté bon Dieu, gon série de bagay, c'est celle pour bon Dieu qui fait ou pas fait. Bon, c'est ça crainte blé dit. Moi tellement respecté bon Dieu, on pas fait n'importe bagay. Monsieur ça, il te gen la piété, ça veut dire ou pas besoin gon mavel pour l'église naturellement depuis gen l'église aller l'église. Monsieur ça gen respect pour bon Dieu ou pas besoin veiller pour le pas font série de bagay, crainte les gain pour bon Dieu empêcher le faire une série de cagotte. Numéro 3, monsieur ça, li te kon aide moun en pile, li te kon aide moun ki pa capable, moun ki pauvre, moun ki gen besoin, li te kon aide yo. C'est ça ça veut dire, là yo dit monsieur a te kon fait beaucoup de moun au peuple.
Koun yè men monsieur a gen yon premier kalite la kayli, li ale l'église régulièrement, monsieur a gen respect pou bon Dieu, monsieur a bay moun nan sal genyen, monsieur a partagé bien li avec l'autre moun et quatrièmement, même verset 2 a dit monsieur sa priye continuellement avec tout kayli. Ça qui pirait c'est que yo dit l'ange là qui était vinn côté monsieur a premier bonjour l'ange là dit monsieur il dit qu'on est ou pas besoin peu non ou est toute prière avec toute bonne œuvre yo a faire bon Dieu tande yo. Ah mes amis, dim sauvle. Pou yon moun dab gen tout bonne qualité sa yo la kayli, l'el fini l'el prier bon Dieu tande l, œuvre yo le faire bon Dieu connaît yo. Et puis pou ta va dim yon moun gonza il pa converti, il besoin y converti encore, il besoin la conversion à Jésus-Christ, il besoin la conversion à Christ pour aller dans ciel. Ah mon j'aime pas prendre ça nan main. Et ben sou kon bout pito pour lui. Pour qui ça? Parce que même passage verset 1 à 4, 1 à 5 où est qui bon belle qualité monsieur ça rien et puis c'est même verset ça yo qui dit Corneille malgré tout bon bagaille ça yo gain que bon Dieu connaît mais on bon bagaille on va le faire oui qui ça lié il dit voyez yon côté yo relé Jopé al chercher yon pasteur yo relé Simon et puis mes côté le rete mais là ka ki moun li rete. Li rete la kon lot neg yo rele Simon. Al voye chèche monsieur et puis l'el vini la dou bagay ou dwe konnen. Monsieur voye chèche neg la vre, y voye chèche pasteur, pasteur vini, pasteur tombe pale. Le pasteur tombe pale, tombe di monsieur yon bon bagay ke monsieur pa te konnen depi Jésus te vini, depi avant Jésus te vini, baptême Jean-Baptiste kon fè a, baptême Jésus vini il vini avec la, prédication Jésus vini avec la, ki travail Jésus te vini pou fè, comment yo touye Jésus, li mouri, li ressuscité, li bayo l'ordre pou yo prêcher. Ah, le monsieur tande tout bagay ayo a monsieur te déjà bon moun déjà kounya Saint-Esprit vini li vin mete so sou tout bagay yo ki tap fèt la le Saint-Esprit fin mete so li kounya Pierre ki wè Saint-Esprit mete so li il di eh ben pa rien ki rete pou nou fè encore non c'est baptisé pour baptiser oui monsieur d'accord pour lui même pour le baptiser il mande pasteur pour faire 2-3 jours la caille encore comment on comprend si yo ta va parler de yon nom comme ça avant yo te dou que bon dieu te voyon ange pour dire pour la chercher un pasteur pour prier pour lui avant verset a te dit ça pour bon bagay ou connait nèg ça café est-ce que t'a dit yon nom comme ça besoin converti est-ce que t'a dit yon nom qui bon monde dans société a comme ça yon nom que tout moun respecte, yon nom que tout moun fait confiance, nèg la pa volé, y passe si, est-ce que ta va dit, yon nom comme ça, y besoin yon pasteur pour prier pour li, pour le convertir, pour faire Saint-Esprit travail dans li, pour péché y pardonner et puis pour le baptiser, est-ce qu'elle besoin tout bagay sa yo? Oh, sou kwè monsieur pas besoin tout bagay sa yo, on a écouté yon lot nèg bwe. On a écouté yon lot nèg, m pa konnen sou ap di que monsieur pi bon passe l'autre nèg la si l'autre nèg la pi bon passe l mai moutro yon l'autre bon moun ki besoin konverti koun yam fin moutro yon capitaine romain ki bon moun rale l'église ki la priye ki respecte bon Dieu li priye bon Dieu tandel l'el fè moun kado bon Dieu konnen malgré ça il besoin paste yore li Simon ki pou vin priye pou li. Kounye a, ban mai mbalo de yon lot bon moun anko. Nan Matthieu, chapitre 19, komanse nan verset 16, me sa nou ka lir. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses.
que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Nous sommes pour nous dans Matthieu, chapitre 19, commencer dans verset 16, pour arriver dans verset 22. Quand il y a, mais y a l'autre nègre encore, quand il y a M. Salimba, quand si c'est bon, mon ouab dit encore, parce que M. ça, les Jésus dit, ou pas tant de ça, la loi dit, pas tuer, m'de dit, pas tuer mon. Pas commettre adultère, monsieur dit m'ba n'ba comme ça même. Pas voler, monsieur dit m'ba voler. Pas faire mentir, monsieur dit m'ba n'ba comme ça. Respecter maman ak papa, monsieur dit oh bon c'est n'ba ça samié même. Remet prochain en tant que même, monsieur dit camper devant Jésus, lui dit j'ai observé toutes ces choses. Ça veut dire tout bagay sa yo wè nou so di la, monsieur observé yo. Ça veut dire au point de vue moral. Monsieur son bon moun, monsieur son nom, sou ap cherche on bon vie zak la kaili ou pap jwenn vie zak la kaili. Et comment fait atam monsieur, lui dit Jésus, que me manque-t-il encore? Oh, semble monsieur gen impression que gon bagay ki manke. Et pour qui ça, Jésus répond ne et dit si tu veux être parfait. Mot ça veut dire complet, bien sûr. Ça veut dire si vous voulez vivre complet, net, 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 net. C'est pas parce que vous pas fait ça qui bien, non? C'est pas parce que ça vous fait. Bon Dieu, pas connaît vous comme bon bagay, non? Mais vous pas suffit pour mener un couteau pour aller. Oh! S'ouvre les bonnets, s'ouvre les rivets, nan mesure, bon Dieu, v'lo river, pour l'or river nan porte ciel là, pour capable entrer, kouem s'ouvre, même sou pas voler, ou mankon bagay. Même sou pas nan adultère, ou mankon bagay. Même sou pas bay menti, ou mankon bagay. Même sou respecte maman ak papa ou mankon bagay. Même sou remen prochain ou tan kou pòp tèt ou mankon bagay. Même sou ale l'église ou mankon bagay. Même sou la priye régulièrement ou mankon bagay. Même sou ba moun nan sò gen se wè ou pa ka wè moun nan problème pou pa ede yo ou stil manke yon bagay. Et sou manke a ki sa liye? Jésus dit nan verset 21, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Sou pa fè bagay sa, non seulement pap gen trésor dans le ciel, mais ou pap ka suive moi. Ou bagay ou manke a, c'est seulement yon geste pou fè pou di Jésus, moi accepté ou dans la vie. Ou rele moun Jésus yo, quel que soit côté ou konnen yo ye. Ou rele moun Jésus yo, ou di m'ta remé recevoir Jésus dans la vie. M'ta remé suivre Jésus. M'pa moun kap vin konverti pou m'kite volé, non? Parce que m'pa volé. Moi gon seri de moun, fò yo vin konverti pou yo kite on seri de bagay. Moi m'deja kite bagay sa ou deja. Oui, ou kite yo fwe. Bon Dieu, qu'on on quitte yo. Ou quitte yo tant kou monsieur ça. Ou quitte yo tant kou capitaine l'armée ou mère. Oui, ou quitte yo vrai, mais ça pas empêché que gen yon bagay, yon seul bagay en plus. Bon Dieu vle ou fè. Li vle ou mette confiance ou nan Jésus, li vle pour venir identifier ou à moun Jésus yo, li vle pour capable faire salement de ou pou faire, pour capable obéir li malgré ou c'est un bon monde. An nou réfléchir bien pour nous, an nou poser question ça bien pour nous. L'autre va mette qualification de monsieur sa yo ensemble. Je nomme Rissa avec monsieur capitaine l'armée ou menza. Ou ta va mette deux qualifications sa yo ensemble. Ou ta va imaginer que yon moun ki gen bonne qualité sa yo la kaeli,
Est-ce que moun sa bezwen nan sa fè konverti? Non. Logikman non. Repons la, se non. Paske lò moun konverti ki sou ap tann nan mayen. Lò moun konverti, wap tann pou l bon moun. Ame moun sa deja bon moun deja. Sa vle di, si lò moun konverti ou vin bon moun, me tel bon moun. Sa vle di, m pa bezwen konverti? Si, mèm mwen gen kek moun ki konverti, ki pa mèm bon moun mèm. Sa vle di, mwen mèm bon moun nan, m pa bezwen konverti? Non, se pa la kesyon an ye. Se pa la kesyon an ye. Gen yon bagay mwen toujou ap di le plus souvent. Koute non, dapre ou, le gen 50 moun ki ale l'école du droit, et puis apre sa, yo tout passe nan examen l'école la, lèl fini, yo tout ale nan examen l'état, et puis yo tous les 50 la réussi nan examen l'état. Yo tout vini avocat, bon gens avocat comme ça doit. Pendant que yo nan cabinet d'avocat, pendant que yo nan bâtonnier d'avocat, pendant que yo inscrit yo gen licence comme avocat, et puis kounye a l'état fait yon concours pour yo choisi juge. L'état fait nomination pour juge. Et si nan 50 élèves sa yo, moun yo ki bon nan concours, moun yo l'état choisi, quel que soit critère, l'état prend pour le choisi moun nan, si l'état choisi 10 nan yo pou yo juge. Est-ce que vous pensez l'autre monsieur 40 yo qui pas bon nan concours, l'autre monsieur 40 yo que l'état pas choisi, l'autre monsieur 40 yo que l'état pas nommé, lè yo konnen que lè yo te l'école, yo te pi fort passé de 10 moun yo que l'état choisi. Est-ce que vous pensez parce que yo te pi fort l'école, ça fait yo vin qualifié pour yo juge? Non, c'est pas pi fort l'école qui faut qualifier pour juge, c'est lè yo nommé ou comme juge. Même sou te passé nan dernier examen a ke moyenne 5.00, yon l'autre moun te passé avec moyenne 7.50. D'un pi nan konkou l'état fait, c'est moun 5.00 a yo vin choisi pou juge. Kwèm sou vle, c'est li ki juge, li ki mandaté pou juge, li l'état reconnaître comme juge, li l'état payé comme juge, et c'est li kap ka fonctionner comme juge. Pour qui ça c'est comme ça lié? Parce que ciel là c'est pas pour nous lié, ciel là c'est pour bon Dieu lié, c'est bon Dieu qui mettait critère pour moun rentrer dans le ciel. Si c'était les hommes qui te mettaient critère pour moun rentrer dans le ciel, premièrement, ou connaît un bon moun qui pas ta rentrer dans le ciel parce que les hommes pas ta bay au droit pour rentrer dans le ciel. Mais aussi, si c'était les hommes qui te déterminaient ou ben qui ça pour faire pour rentrer dans le ciel, mon cher ciel là t'as facile, chaque moun t'a cherché petit critère facile. Yo, or moi-même, puisque m'ba tuer moun, mérité pour m'aller dans le ciel. Moi-même, même si m'ba voler, mérité pour m'aller dans le ciel. Depuis m'ba faire adultère, mérité pour m'aller dans le ciel. Oh, depuis c'est bon Dieu, k'ap bay critère pour aller dans le ciel, quoi m'sauvle, chercher konnen ki sa bon Dieu mande pou fè, tande, pour aller dans le ciel. Sou pa fè ça, quoi m'sauvle, ou ap rive devant porte ciel là, ou ap joine li pa l'ouvre pour ou. Pour qui ça? Malgré bon monde, pour qui ça? J'en pas voler, pour qui ça? J'en pas jamb tuer monde, parce que ou pas fait, ça met ciel là mandé pour faire pour aller dans le ciel. Est-ce que c'est comme ça lié? Oui, c'est comme ça lié. M'saute d'où ça ta le là, nan causé a fait. Tout moun ouwe ki juge yo, yo étudie la loi, oui. Moun yo ouwe ki avocat, yo étudie la loi, oui. Et ki différence ki gen entre moun yo ki avocat avec moun yo ki juge la? Différence la, c'est que l'état nommé yo. L'état nommé yo, oui. Si l'état pas nommé yo, ou te met fort kon ral fort, ou a fort pour ka défend moun, mais ou pap ka bay dernier verdict la. Ou a gen bel valise ou nan men, ou a ke gros livre la dan, gros dossier ki coûte million la dan, men ti mato a, moun l'état choisi a, c'est li sel kap gen ti mato a nan men.
Eh bien, c'est ça, nous voulons dire, oui, c'est ça, oui, eh bien, monsieur, yo, et alors, pas monsieur, yo, bien sûr, c'était pasteur, c'est ça, pasteur, t'es dit qu'on est, oui, il dit qu'on est comme ça, dans tout bon monde qui était sur la terre, dans tout prophète qui était gagné, qui était prophète Eli, prophète Jérémie, prophète Jean-Baptiste, vous comprenez, prophète Esaïe, toute qualité prophète qui gagné, il dit comme ça, que, dans verset 42, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Ça veut dire, c'est pas parce que l'autre moun yo yo pas été bon moun, non, c'est pas parce que l'autre moun yo, vous comprenez, yo pas été voulu faire volonté bon Dieu, non, mais c'est Jésus que bon Dieu choisit pour être juge des vivants et des morts. Ça veut dire, quitte yon moun vivant, Jésus gen droit sou ou, quitte yon moun mouri, Jésus gen droit sou ou. C'est ça qui fait pendant vivant là, fais ami avec Jésus, tendez, fais ami avec Jésus, parce que c'est li bon Dieu choisi. Bon mounou seulement pap ka sauve ou. Bon mounou seulement pas suffit pour sauver. So konnte qu'on a fait qui mal là ou pas fait encore, c'est très bien, mais ça pas suffit pour sauver. Sauver, sauver qui ça pour faire? Allez dans Matthieu 19, lire commencer dans verset 16 et puis garder pour qui ça Jésus te dit monsieur pour le faire pour venir suivre. Sauver, sauver malgré bon monde. Allez dans Actes des Apôtres chapitre 10, commencer lire depuis verset 1er à continuer et puis l'arriver dans verset 43, arriver dans verset 48. Ouais que Pierre te dit monsieur a carrément, moi tout bagay, moi ouais bon Dieu fort grâce, moi ouais bon Dieu même bon attaque cadeau y aurait le Saint Esprit à kounya l'hérité pour qu'a baptiser au nom du Seigneur Jésus. Eh bien, mon yo, sou vle continuer nan logique ki nan tête toi, sou vle continuer raisonner nan façon ap raisonner a, nou pa responsable. Ou besoin bon moun, mais bon moun seulement pap ka menon nan royaume ciel. Nou boyon première histoire nan Actes 10, nou boyon deuxième histoire nan Matthieu 19. Et quoi me sou vle nan jour k'ap venir, n'ap vin ak l'autre histoire pour ou est monsieur si là, c'est ton capitaine la melde, ou est monsieur ça, c'était un jeune homme qui te gen l'argent. Eh bien, nou ta ka même vini avec yon gros chef religieux pour nou ta parler de lui, pour nou montrer c'est pas parce qu'au religieux qui fait ou apoy nan ciel pour ça. Ou vle aller nan ciel, ou besoin apprendre pour faire ça bon Dieu mandé. Et ça, bon Dieu mandé, c'est ça Jésus mandé. Et ça, Jésus mandé, c'est ça nous ouais nan parole. Nous espérons que bon Dieu aide ou. Nous espérons qu'on paye seulement sous des petits bon bagay ou ap faire. Pourquoi des petits bon bagay ou ap faire? Ou bien des petits mauvais bagay ou pas faire? Pourquoi yo seul suffit pour aide ou aller dans le ciel? Si vous voulez rete nan erreur, rete nan erreur. Mais nous voulons faut qu'on ait ou gon bagay en plus ou besoin fait. Et si vous voulez aller dans le ciel, ou besoin accepter, oui, que me besoin fait bagay ça. Chant, bon Dieu, mandé. Chant, parole, bon Dieu, mandé. Seigneur, nous disons merci pour grâce, bonté, miséricorde et compassion que vous gagnez et vous envers nous. N'abtant assistance ou non façon spéciale, couvrez-nous avec sang Jésus et délivrez-nous pour gloire ou capable manifester. Nous remettons la vie nous dans la main. Passez visiter nos temps pris dans grâce. Fais un bagage spécial pour nous. C'est dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Zami kap écouté, nous remercions en façon spéciale de ce que vous êtes là ensemble avec nous. Et kounye, si toutefois vous avez une question ou bien une suggestion concernant ça ou t'es en aujourd'hui ou bien dans le jour passé, tant pris, relez dans le téléphone ça. Fais-nous connaître ça ou pensez. Numéro de téléphone 702-573-3567. 702-573-3567. Si vous avez décidé, relez dans le téléphone, non, c'est très bien. Mais si toutefois, vous avez une question par écrit, vous avez écrit une question que vous avez concernant le programme, non,
ou capable écrit dans adresse l'église là comme ça 4400 West Oki Boulevard 4400 West Oki Boulevard zip code là c'est 89102 adresse pour capable écrit une question quelconque au bon soin de l'église messianique de la grâce 4400 West Oki Boulevard. Mon qui t'est préparé et présenté programme c'est là pour vous, c'est Amos Prophète depuis Las Vegas. Bon Dieu bénis. Bye bye.